Tiens, élément, moi j'ai quitté Bengué. Quoi? Tiens, ici il fait trop froid. Tu as dit même actuellement, il n'y a plus été ici. Regarde, on est en plein été, plein mois de malgré le soleil, ouais, il n'y a pas été plus. Pas fou, il y a pas même. Ah, toi, André, tu as plus. Non, si, il y a ça, mais là, je sais qu'on t'a comment on a pris. Là, tu veux porter, c'est parce que forcément, en été, tu veux porter tes t-shirts. Pourtant, il fait froid. Ouais, donc, t'as pas parti là, t'as pas dit comment? Non, moi, écoutez ici, la vie est trop chère. C'est vrai qu'à Abidjan, la vie est chère. Ah, mais ici, là, c'est devenu un autre niveau. Ah. 200 euros, mais ça ne part en Picardie. C'est pas faux, mais on est obligé de faire avec. Hein. On est obligé de non, moi, actuellement, j'ai beaucoup d'économies. Ah. Voilà, moi, je rentre au pays. Voilà. Moi, j'ai plusieurs projets que je vais faire, mais d'abord, avant d'investir dans mes projets, là, vous voyez, déposer maison d'abord. Tu veux déposer maison? Oui, déposer maison d'abord. Comment, genre, tu veux maison? Oui, je vais payer maison. À me dire aussi. Depuis on entend pas, tu sais pas que moi j'ai fait ici dans à faire des maisons. Non. Ici dans l'immobilier. Moi mon frère ça. Si si. Depuis quand tu m'as jamais dit ça? Mais ah donc tu vois toujours quand ils balancent les maisons déjà construites, tu penses c'est quoi? C'est les maisons qu'on vend aux gens. Moi mon ami oui on a déjà vendu maison au moins 3-4 personnes comme ça. Ah bon? Il était dit. Attends tu fais voir une photo tu vas voir. Regarde. Ouais, ça je vois, mais attends, il y a un meuble dedans, ça, c'est les gens qui habitent déjà dedans. Oui, mais parce qu'il a dit qu'il a besoin de ça, donc nous on fait tout en mettant un meuble et puis on lui donne. Donc, dès qu'il quitte ici. Tu dis, vous faites quoi? Dès qu'il est quitté ici, il est rentré dans la maison, il y avait tout dedans déjà, tout. Attends, ce que tu veux me dire là, c'est que vous, maison, vous vendez là, il y a tous les meubles dedans. J'ai dit tout, depuis c'est les villas de 3 pièces. Attends, quand tu dis meuble là, c'est quoi? C'est fauteuil, télé, on met tout. Vie. Tout. Quand lui vient là, il vient dormir seulement, parce qu'on a déjà l'argent. Il va. T'as dit, il n'y a pas un meuble qui manque même. Je dis rien. Il nous donne l'argent seulement. T'as dit, moi, il vient mes habits seulement. Tu viens tes habits, tu as ta maison, tu es rentré. Non, attends, tu arrêtes tes frappes. Je t'ai dit. Il faut me prendre au sérieux. Ah, c'est les maisons mais qui sont même pas chères. C'est combien? Allez, nous, on fait nos maisons à 15 millions. Ah, toi, tu te fous de moi. Je t'ai dit la vérité. Tu es mon frère. Tu es mon ami, et puis il te menti pourquoi? Pourquoi c'est? Il y a 20 maisons aux gens, et puis à toi, il n'y a pas de fun. Là même, c'est bon. Comme tu m'as dit. Tu m'as dit la dernière fois que tu avais 50 000, tu vois, non? Donc, comme tu as ça, t'as pas de problème. Moi, tu es en train de me dire que toi, tu vends maison 15 millions. J'ai dit 15 hein? millions. Et puis, c'est déjà meublé. Je t'ai dit, c'est mon gars, si tu es prêt seulement, tu me dis, moi, tu me donnes seulement moi le feu vert. Il n'est pas là, mon gars. Et puis, clair. Bien même. C'est pas ça. Ça m'intéresse, hein? T'as pas de problème, donc tu me dis. Attends, fais voir la photo encore. Mais là, il faut que je vais appeler le gars. Si tu es vraiment sûr, il faut que je l'appelle pour lui parler de ça et tout. Donc, voilà. Hein? Et puis, c'est les mêmes meubles qui sont dans les maisons, tout ça là. T'as vu les deux maisons là, le premier et puis ça là. Tu vois, vous avez des partenaires avec des immobiliers, tout ça là. J'ai dit tout. Ah, il se plaque. Si tu es sûr, en tout cas, si tu es Non, ici je suis motivé. C'est-à-dire que demain là. Il faut qu'il l'appelle, mais pas regarde, demain à 10h, dès l'ouverture de la banque, les moyens retirés le tiers. Tu te dis, c'est 15 millions là. Oui, mais là, il n'y a pas fait de. Moi, il te donne ça en même temps, tu lui envoies. Moi, la semaine prochaine, je m'en vais à Abidjan et m'a installé dans la maison en même temps. Il faut considérer que ta maison est déjà là même, que tu dois te donner. Ah. Mais il faut que je l'appelle, quoi. Je l'appelle. Il n'y a pas de souci, Bon, moi-même, comme j'ai un rendez-vous, dans ce cas, si tu l'appelles. Ah, tu veux unité? Voilà. Ah. Bon, attends. T'es sur quel réseau? Bon, moi, je suis. Oui, ah, ok, bon, attends, il y a allé sur le site de Bouy. Attention. Voilà, il t'a envoyé connexion illimitée là. Appel et connexion illimitée. Voilà, donc tu gères. Non, il n'y a pas. Voilà, tu l'appelles et puis tu me fais signe. Hein. T'inquiète pas même. Considère que tu demain à 10h. Considère que tu dors dans la maison. Le DJ est dans ta main. T'as l'argent, t'as l'argent et puis t'as souffert. Ah, il était pas. Tu as dormi dedans. Donc, ok, on est ensemble. Allô? Ouais, Amoud, c'est comment, mon frère? Yeah, ça va, on est là. Je te dis, je viens d'avoir un vrai wa même. Il y a un gawa même, de dernière classe même. Un de mes morts du quartier, lui vient devant moi, il veut payer une maison. Je lui dis, maison 15 millions, il n'a même pas réfléchi. 15 millions, villa, meublé, tout. Il dit, ouais, il y a faute. Donc ça fait 5e personne maintenant. Le 5e wa qu'on prend, quoi. Voilà. Justement, même, c'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit que la maison est là-bas, c'est déjà meublé, c'est une villa de 3 pièces, que même on a déjà vendu. Il lui a montré la photo. Tu vois, premier, voilà, la photo qu'il lui avait envoyée là, c'est le même truc qu'il lui a fait voir. Il est content. Il m'a fait une unité, tout ça là, même pour t'appeler.
dit demain, dès que la banque ouvre net, il sera arrêté devant la banque. Dès que la banque ouvre, il va prendre le chèque, puis il va m'envoyer. Donc dès qu'il me donne là, on coordonne comme ça, tu vois, maison du vieux mort là. Tu vas aller prendre ça comme ça. Maintenant, l'esprit qu'il va venir, lui va arriver là-bas là. Toi, tu vas l'envoyer là-bas pour qu'il parte visiter la maison des âmes meublées et tout, tout, tout. Maintenant, l'esprit du vieux mort maintenant sort pour venir devant vous maintenant pour me chasser de la maison. Et tu vois maintenant le truc. Voilà. Quand tu fais ça sur moi, lui. Donc demain, sans faute, je te fais signe. On va avoir moins de 15 plaques dans nos poches. Zo dans zo. À Paris, si un gars, il peut pas boire moins. Là, tu connais. Est-ce que lui, il prend et puis après, il prend son autre chiton encore. T'inquiète pas même. Donc, il n'y a pas de problème, mon frère. Il t'appelle, hein. Demain, dès que c'est propre, dès que ça. Y'a pas ta oh, y'a pas ta. 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 Oh, mais c'est pas possible. Ça fait plus de 30 minutes que je l'appelle. Depuis, il est à côté. Oh, vraiment, c'est ça que je n'aime pas ici en Côte d'Ivoire. Il respecte pas rendez-vous. Oh, attends, il a appelé encore même. Ouais, monsieur Hamoud le Mauritanien, mais vous êtes à quel niveau? Vous êtes à côté, comment? Depuis ici à côté, il ne vous voit pas. Il y a quel problème? Vous êtes là dans quelques secondes. Ok, il n'y a pas de problème, il vous attend. Faites vite là. Oh. Pas possible ça. Y'a pas ta oh, y'a pas ta. Y'a pas ta oh, y'a pas ta. Hey, y'a pas ta oh, y'a pas ta. Patron! Yo! Oui, c'est moi. Non, mais j'ai mis le temps, moi, il n'aime pas attendre. Faut apprendre à respecter les rendez-vous. C'est ça, vous, votre problème ici en Afrique. Là. Pardon. Ça veut dire embouteillage d'Abidjan. Sinon, tu ne peux pas quitter un euro et puis moi, je te prends le temps. Quel bon embouteillage? Moi-même, je suis venu là. J'ai pas vu d'embouteillage, monsieur. Yeah, on va partir. Okay, c'est devant là-bas. Là. C'est devant là-bas? Oui, tu vois le carrefour qui est là-bas. Là. Wow. On tourne à droite net. La maison est là-bas. Ok, bon. Allons. Voilà, mettez la ceinture, on s'en va. Y'a pas ta oh, y'a pas ta. 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 Y'a pas ta. C'est la maison qu'elle a. Le poisse. Tu t'es parlé. T'as la maison. T'as la maison. Ouais, en tout cas, le quartier n'est pas mal, le quartier n'est pas mal. Ouais. Allons. Ah, c'est bon. Oui, il est bon. Ouais. Ouais, vraiment. Garage. Ouais. Non, en tout cas... Que mon gars m'a dit en France, c'est ça. Non, en tout cas, André, vous êtes bon, mais il y a voir dedans. De toute façon, il m'a dit tout est meublé, il y a tout là. Il y a tout. Moi, il y a voir ça. Allons. Moi, il y a voir ça. Et puis, c'est les vrais fauteuils, hein. C'est ça. Et puis, c'est télé 4K. Il y a tout. Il y a tout. Jusqu'à quand il y a téléphone fixe, tout ça là. Il y a un peu. Là, la première chambre, là, la deuxième chambre, là, la tube, là. Ici, là, c'est quoi? Ça, c'est la douche visiteur. Hein? Ici, c'est une chambre. Là-bas, c'est une chambre. Ici, ça fait une chambre. Et puis, apparemment, il y a un étage encore. Ça, c'est la cuisine d'en bas. Le boss, vite en dessous. Il y a deux cuisines. Deux cuisines, il y a en bas. Là, vous venez d'arriver, c'est un peu fatigué. Après, voir ça. Voilà. Dans ce qui est sûr, voilà, j'ai déjà géré tout et tout, donc en tout cas, merci bien, vraiment, parce qu'on m'a trop dit qu'Abidjan, il y a les mamayas, il y a les escrocs. Oui, là, vous avez les gens. Et pour ma première fois, je tourne depuis une maison, ça se passe, mais moi, ici étonné. Désormais, hein, même faut dire à tes amis, à tes collègues,
Il veut une maison, il ne va pas me contacter. Non, il a dit ça. Bon, faut t'asseoir. Moi, je peux témoigner. Attends. Oui. Attends, ici même est plus grave. Ouais. Non. Attends, il a peur un peu. Donc, ok, donc, il va vous libérer. Voilà, bon, attends, comme il vous donne un transport, pas mauvais. Voilà. Voilà, il faut qu'on ça pour voir loin. Merci. Merci, Amoud le Mauritanien. Oui. Merci beaucoup. Je vais appeler comme ça à mon frère en France pour dire que tout s'est bien passé. Ok. C'est moi. Pas mettez-moi à l'aise. Non, laissez, ouais, il fait chaud, hein. Non, en tout cas, il est bon, en tout cas, il est bon. Ok, il est bon, attends, appelez mon frère en France. Ouais, c'est comment? Non, vraiment, je suis fier de toi. Non, vraiment, tu m'as mis au côté avec quelqu'un, il m'a amené dans la maison. Puis vraiment, comme tu l'as dit, tout est meublé. Non, vraiment, il est à l'aise. Non, moi, forcément, je ne croyais pas, il ne m'attendait pas. Mais maintenant, ici. Ouais. Non, il n'y a pas de souci. En tout cas, il te rappelle après. Voilà, merci bien. Et on est ensemble. Parier même, c'est pas la peine. Compte sur eux là, ils pètent. En cas, il reste 30 minutes, vous allez égaliser. Hein. C'est qui ça, il garde ticket déjà? C'est qui ça? Qu'est-ce qu'il fait dans ce canapé? Dans le canapé? Chez le canapé, vous avez vu ça, mon canapé. Mais attendez, d'abord, qui vous a invité à rentrer chez moi? Je vais demander qui m'a invité à rentrer. Demande à la porte. Monsieur, il est sorti et il a fermé la porte derrière lui. C'est dangereux ça. Attends, vous êtes qui même? Allô? Oui, mamie? Mais qui t'a laissé ici là? Mais je viens de trouver un intrus chez moi à la maison. Lui? Tu ne le connais pas? C'est lui que vous ne le connaissez pas? Ok, je te rappelle. Attends, fouille-moi le mec là. Mais demande, mais qui vous avez vous amené chez non, moi? Non, non, attendez. Mais vous appelez qui d'abord même? À cela, je vais chercher à appeler la police. Attends, son numéro passe plus? Numéro non attribué. Attends, il a appelé mon frère en France. Numéro de téléphone non attribué, même. Attends, je suis dans quoi là? Attends, en tout cas, l'affaire devient sérieuse, hein? Non, hein? Ce n'est même pas encore devenu sérieuse. C'est lorsque je vais appeler la police et tu vas te retrouver sous la pluie. Là, ça va devenir bien sérieuse. Reviens. Reviens. Reste toujours là, hein? Reviens. J'appelle la police de soupleur. Ah! Il s'enfuit! N'importe quoi! On va venir encore. Ouais, Amoud le Mauritanien, le bébé qui est dangereux. Attends, je l'appelle, rapidement. Ah, il a même laissé son sac ici, hein. Allô? Lui? Non, tu es dangereux, tu es dangereux, tu es dangereux. Il s'enfuit comme un rat. Viens. Viens, on fait la compte rapidement, là, ici à la maison. Reviens. Viens rapidement. Ouais. C'est vraiment? Tu m'as roué là! Ouais, Amoud! Ouais, t'as vu qu'il est le plus 10 même des 10. Mais c'était comment? J'ai dit qu'il est là, c'est un roi. Ah, on est toi aussi là! Tu es dans la gamme, hein? Il y a longtemps, il est dedans, lui. Pas mon maman. C'est rien même. Il s'est allé vite à lui, mais il a pas lui-même, il a laissé son. Non, il a laissé, mais il est parti même en tard. Il n'était pas avec quelque chose. Je suis plus là, merde, tu fais. Lui là, moi j'aime le dire. Non, parce que il faudrait que les bandits, c'est ceux qui sont en Europe, ils savent que c'est pas tout le monde faire confiance. Pas tout le monde. L'apparence là, c'est trompeuse. Avant de confier ton mouvement, ton business à un Africain là, ou bien un Ivoirien, il faut bien étudier. Tiens, même ton propre frère, même père, même mère, il peut te dire que. On fait des points. On va pas faire ça dans la maison ici. Ouais, moi-même là, peut-être que tu m'as dit que le mois, tiens là. Ouais. Moi, appelé plus toi. Déjà, ouais. Oh, ma. T'as dit que t'es très rapide. C'est qu'il est pas mal. Et t'as. La clé là. La clé, ouais, ça, il a jeté ça. Oh. Mais il y a deux coups de nouvelles, deux jours là. Y'a, c'est un meilleur commis de. Ouais, toi. Au ghetto, non. J'ai tiré de lui. Connais au ghetto. Au ghetto, comme d'habitude. Hé, y'a d'appeler. Ah, mais tu veux là-bas. Non, appelle là. C'est quoi cela? Hein? Deux coups. Mais ben, allô. On fait les coups. Eh, mais, Jubé. Ouais. Ça va là? Non, ça, c'est un jeu de sable là. C'est un sable. Hé, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas ça que des bénis là. On va mis un dans sa voiture. C'est moi qui venais à lui, il n'a pas fait ça. Mais chien, mais pas chien. C'est pas Wolowo qui est là-bas, là. C'est lui. Ouais. Au revoir. Ouais. On se connaît? Bonjour.
Estudio, la fille d'Ida des Ixo, là. On était dans le même lycée. Je ne rappelle pas de moi. Ah! Estudio, oui, je me souviens la fille qui portait les gros mougouba façon avec des lunettes qui rouge. Ça, c'est avant. Mais qu'est-ce que tu vois clair maintenant? Oui. Ça va même, ça mais va. Mais quel moment tu es là, tu cours dans ma zone là? Tu habites dans le coin, oui. J'habite un peu dans le coin, voilà. Dans l'espoir, tu fais du footing. Ah, donc en espoir, on est un peu voisins. Hein. Oui. Toi, tu habites où? J'habite pas derrière. Ah, là. Oui, on est dans la même zone. Dans la même zone. Et toi? Tu es devenu en pime, hein? Ah, t'es devenu vraie femme même. Ah, bravo. Mais tu fais quoi maintenant? Ah non, moi actuellement je suis dans les affaires, dans les business, tu vois, tout ce qui est transport de véhicules, vente de véhicules. Ah, mais c'est et puis pas mal d'autres choses quoi. Mais c'est super ça. Ah, et toi, t'es dans quel secteur maintenant? Moi je suis dans l'immobilier, non? Dans l'immobilier? Oui. Et okay. Je suis membre de l'association C4 Gestion Solidaire. Donc on accompagne les familles qui sont basées ici en France, qui veulent réaliser leur projet en Côte d'Ivoire. Ah bon? Oui. C'est où ça? C'est au sein du Stade de France, hein, à Saint-Denis. Oh, ça, c'est les mêmes flocons à chaque fois. Nous, t'as comme ça, là, toi, tu peux travailler au Stade de France. Comment ça? C'est vous, là, vous escroquez les gens, vous mettez sucre d'oreille, des gens, ouais, venez à un truc maison pour eux, ah, puis, et puis vous faites l'argent. Et puis après, il n'y a pas maison, c'est pour les gens. Non, personne ne s'est jamais plaint. Les investisseurs qui sont avec nous ne sont pas. Moi-même, on vient de m'escroquer. Moi, j'ai plus confiance en structure d'immobilier. Ah bon? Voilà, moi-même, quand j'irai avoir, moi, j'ai payé mes briques. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai construit ma maison, moi-même. Non, j'ai un ami au quartier, là. Il y a longtemps, on se connaît. Je lui ai dit que moi, je suis fatigué de bengue, rentrer en France. J'ai payé une maison là-bas. Il me met en contact avec un de ces gars qui travaille là-bas, qu'eux, ils vendent des maisons qui sont déjà meublées. 15 millions. Je lui ai dit, vous sautez sur l'eau. 15 millions! 15 millions? Oui. Et puis, si arrivé là-bas, dans la maison, il m'a donné clé, s'est installé. Et puis, le faux propriétaire de la maison, maintenant, est venu. Non. Donc, au début, j'ai vu ça en flocon dans les larmes jusqu'à, et puis, il était là, appelé la police. J'ai fui. Sérieux? Il était pâle. Là, ils ont prouvé mes 15 millions. Quand depuis, je suis revenu, je cherche à jouer de mon gars. On dit même, il est plus dans la vie, il a déménagé. Tout ça, on va attendre. Alors, demain, je donne rendez-vous devant le Stade de France à partir de 10h. Est-ce que c'est possible pour toi déjà de venir? Toi, t'es dans ton sérieux, quoi. Toi, tu es vraiment au Stade de France, quoi. Viens demain, voir toi-même ce que je fais. Est-ce que demain, tu as le temps à 10h? Non, moi, je dois venir voir. Il y a le temps. Est-ce que tu as un numéro à me passer déjà? Oui, il faut prendre. D'accord. 07 23 92 57 32. Ok. Faut pas me floco, hein? Donc, je te dis, tout simplement, ne parle pas. Parce que nous, on accompagne des familles. Et depuis qu'on a commencé, personne ne s'est plaint. Et toi, tu verras de par toi-même. Je te dis, viens d'abord te renseigner. Parce que l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est que vous ne vous renseignez pas et vous vous lancez dans les projets sans savoir les tenants et les aboutissants. Nous, on est dans l'information. Donc, tu viens, parce que je ne vais pas trop parler, je ne sais pas si tu as assez de temps, mais moi, je n'ai pas le temps. Donc, tu viens demain et tu verras de par toi-même. D'accord? J'ai pris ton numéro, je t'appelle. Appelle-moi, hein? Oui, on fait comme ça. D'accord? Tu ne m'appelles pas, on s'est vu là, on va faire bafou. Tiens, André, là, son truc là, c'est sérieux, hein? Ouais. En tout cas, demain, on va voir clair. Bon. Y'a pas de temps, y'a pas de temps. Y'a pas de temps, y'a pas de temps. Hey, y'a pas de temps, y'a pas de temps. 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 Madame, c'est bien ici la salle d'attente là. Ah, ok, merci. Ah, ouais. Salle d'attente de Stade de France. Hein. Ouais, ça c'est quand? C'est quand on va gagner Brésil 3-0 là, ouais. Ah! Puis c'est les vrais fauteuils! Nice to be APC, hein? Donc moi quand il m'a dit ça devant moi, il vit ça en jeu, mes vrais mères! Ah, voilà quoi! Est-ce tout? Bonjour! Comment ça va? Oui, ça va bien! Ouais! Alors, tu viens avec moi? Ah, ok, y'a pas de problème! Là, on va aller discuter au bureau! Ok! Est-ce tout, ouais. Là, vraiment, tu as percé, hein. C'est-à-dire, la dernière fois qu'il était croisé, là, il ne croyait pas, hein. Il croyait que c'était doué. Hein. Déjà, tu travailles vraiment dans le Stade de France. Yeah. Donc, ton affaire d'immobilier, tu m'as parlé là, c'est sérieux. Oui, c'est la vérité. Ah, hein?
Là, c'est le bureau là-même qui est là comme ça. Non. Ma responsable en ce moment, elle est en train d'entretenir des nouveaux investisseurs. Hein? Donc moi, je vais t'entretenir en attendant qu'elle finisse avec les nouveaux. Ah. Mais dis-moi exactement quel était ton problème en fait. Non, comme je disais la dernière fois, j'ai un soi-disant ami de longue date. On marche ensemble depuis longtemps et puis bon, un jour je vais parler d'un projet, voilà, je lui dis que je veux construire ma maison à Abidjan, je vais payer ma maison quoi. Mm-hmm. Donc il me dit que oui, mais lui actuellement il a un bon réseau, oui. Il a son gars sûr, gens qui vendent les maisons. Ah. Voilà, et puis c'est déjà meublé. Et puis il dit c'est 15 millions seulement, je dis. Et puis tu as cru? Mais il a cru, il m'a montré les photos, tout ça. Et tout, il m'a montré des preuves. Justement, c'est pour ça qu'il faudrait se rapprocher des structures comme nous, C4 Gestion Solidaire, hein, pour avoir plus d'informations. C'est-à-dire que si jamais tu veux investir avec nous, que tu as un apport, hein, c'est possible. Et aussi, si tu souhaites établir les documents de ton terrain, c'est possible aussi avec nous. Ah, mais donc, non, on ne connaît pas tout ça. Oh. On ne connaît pas ces bouches à oreilles. Ce n'est pas grave. Donc, maintenant, tu sais... Dans peu de temps, ma responsable va te recevoir et tu sauras tout. Et tu peux même investir à ton rythme. Il n'y a pas de pression et autres. Tous les détails te seront donnés. Non, mais faut bien me briefer là. Faut bien me... C'est-à-dire, quand vous dites que vous gérez le mouvement là, c'est-à-dire que ça se passe comment on fait, je ne comprends pas. Et c'est-à-dire, quand tu dis on gère à notre rythme, c'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'on a des partenaires. Je peux payer en plusieurs fois. Oh oui, on a des partenaires au niveau de la Côte d'Ivoire qui sont vraiment à ne plus présenter. C'est-à-dire qu'ils ont déjà fait leur preuve. Hein? Et une maison, c'est-à-dire une villa de 3 pièces, hein, tu peux payer en plusieurs fois. Ah. Un duplex de 5 pièces, de 6 pièces, avec piscine en plus. Hein, tu peux payer en plusieurs fois. Attends, en Côte d'Ivoire, maintenant, il y a une maison payée en plusieurs fois. Oh oui, et puis en plus... Hein, et ton confort, hein, c'est ceux du moyen standing et du haut standing. Eh ah oui. Attends, quand on dit payer plusieurs fois, c'est-à-dire même s'il veut payer 20 euros par mois, là, il paye 20 euros par mois. Oui, parce que, on va dire plusieurs fois oui, mais il faudra venir, c'est en fonction de la situation de chacun d'entre vous. C'est-à-dire toi, ton cas n'est pas pareil que celui d'une autre personne. Donc c'est ma responsable, Madame Fofana Manyuma, qui va donner tous les détails et... Je suis sûre que ça va te convenir. Ah. Oui. Non, mais déjà, même, le bureau qui est dans le Stade de France, ça ne peut pas être douille. Ah oui. Non, moi, j'ai confiance. Ok. Voilà, en tout cas, si c'est propre, là. Ouais, en tout cas, il y a il me semble que ma responsable est en train de venir et je pense qu'elle a fini, donc tu vas passer tout à l'heure avec elle. Ah, donc, ok. Voilà, je pars vérifier avec elle et puis tu vas passer tout à l'heure. D'accord? Ah, ok. Ah! Ouais. Hey. Voilà, mais c'est ça. Maison d'embouche à oreille, là. C'est bêtise. Voilà, c'est les vraies structures dans Bengue, dans le Stade de France, là. Voilà, et puis en plus, on paye en plusieurs fois. C'est la carte venir la main voir sa patronne. Voilà. Moi, il y a une maison dans Abidjan. Ouais. Ah, mon gars, il fait fort, hein. Tiens. Ouais. Ouais, pour avoir un nom comme ça, là, c'est qu'il faut faire les rentrants, même. C'est qu'il m'envoie là. Ouais. C'est l'homme aussi. Attends, j'ai reçu une notification, là, c'est qui, même. Ah, mais c'est la petite Olive, hein. Yeah! Elle dit quoi? Est-ce qu'on peut se... Oui, on peut se voir. Elle peut te répondre, même. Elle dit quoi? On peut se voir dans 30 minutes. Oui, on peut se voir. Attends, je le prends encore. Où ça, on peut se voir dans 30 minutes à la rue 5. Ok. Attends, Goki guettait là. Ah, bâtard. Laisse ça faire le boucan, il est mauvais. La mission est propre, c'est Zo, tu l'as eu? Ah, propre. Là, il arrive, non? Toi aussi. Pas de problème. Site, donc, faut te poser ici, tu l'attends. Maintenant, là, moi, il me cachait. Tu vois, juste derrière le buisson, là, il guette le moment dès qu'il est assis, là. En même temps, il tombe. Okay. Tu connais l'affaire, là, non? Bien sûr. Y'a pas ta oh, y'a pas ta. Y'a pas ta oh, y'a pas ta. Ah, le gars ouais, est tombé dans le piège, il faut te poser seulement, tu as voyé tomber sur toi tout de suite. Vive. Oui. Comment tu vas? Je vais bien. Et toi? Ah, bien. Oui, ça va? Oui. La fraîcheur. Tu as l'île. C'est qu'il y a programmé un truc pour nous deux là. Ah bon, hein? Ouais, ce soir. Eh, petit maudit là. Fais-moi, tu t'amuses.
Lève, toi et moi, tu t'amuses. Calme-toi. De me calmer comment? Calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Toi et ma gamme, tu t'amuses quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, après toutes ces années, toi et moi, on est amis là. C'est moi, tu es escroqué. Donc, quoi? Attends. C'est moi, tu es hiéré. Quoi, par rapport à ta maison? Par rapport à ma maison, faut pas faire comme si tu n'es pas au courant. Mais t'as donné ta maison. Depuis là, ton moro là m'a escroqué, toi, tu es complice. Depuis, il rentre dans ton réseau, tu réponds pas. Depuis, ton téléphone est fermé. Il n'y a qu'un mouvement. Mon téléphone n'était pas fermé. Au fait, là, j'avais perdu mon téléphone. C'est pour ça que tu m'appelais. Tu connais ma position actuellement, tu sais. Donc, actuellement, mon numéro ne passait pas. C'est un nouveau numéro. Ce n'est pas sur forum, tu vas voir. Tu vas me fouiller, tu vas même pas voir un autre téléphone. Attends. Bon, on fait comment? Ton moro là m'a escroqué. C'est foutaise même déjà, mais pas. Moi, tu es en train de me parler même à sa maison. Mais attends, toi, tu es ma gamme. Toi, tu es complice à lui. Il ne faut pas m'endormir l'esprit. Mais je ne peux jamais être complice à lui. Si tu es en train de parler, moi, je suis énervé. Tu vois pas mon visage, c'est énervé. C'est que moi, il m'a dit qu'il t'a donné la maison. Il ne m'a pas donné. Il s'est arrivé. Il m'a installé. Genre, il m'a mis en confiance. Maintenant, il est là à l'aise. Et puis, le faux propriétaire de la maison est venu, il a appelé la PJ. La foutaise, hein. Moi, ça commence à m'énerver même. Attends, lui, il va même m'appeler pour me dire que lui, t'a donné la maison. Ça commence à me dire tranquille, hein. Tu vois, à cause de quand tu m'attrapes, il t'a dit, mais tu m'attrapes pourquoi? Parce que je sais même pas de ce que tu es en train de me parler. Mais la foutaise même. Non, calme-toi, je vais t'expliquer. Moi, mes vieux moro PJ, la J, ils sont là-bas, ils te disent, ouais, les prendre, ils vont les prendre à lui. Soit il va te donner tes 15 packs, et puis il va mettre quelque chose dessus, ou il va te donner la maison. C'est foutaise même. T'es sûr? J'essaie d'aider de quoi il te parle. Moi, mais il s'est énervé. Tu vois pas qu'il s'est énervé même. La foutaise même. Mais en esprit, c'est qu'elle te dit là. Faut te calmer. Il te donne une semaine. Une semaine, hein? Pas plus. Il dit bien une seule semaine. Peut-être même si c'est trop 6 jours. Ok, pardon. On va faire court. Donne-moi ton nouveau numéro. Faut prendre. 06. 250. 375. 805. Hein, mon nouveau numéro. Voilà. Tu vois que ça sonne, non? Ok. Voilà. Donc tu m'appelles. Hein. C'est foutaise même. Toi, on ne peut pas prendre ton aide, moi, accepter. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu dis là? En tout cas, il compte sur toi. Hein. T'inquiète pas. On va appeler. Oui. C'est géré. Hein. Ok, il y a faux, il veut faire. Attends, mon maître, moi, j'ai Gawa là. Tu le connais? Non, mon vieux père. Comment ça? Mais on dirait ce que tu viens de dire là. C'est pas vrai. Hein. Tu l'as lié même. Ouais, tu sais. L'argent est aussi. On doit partager ton. Ouais, c'est qu'elle suit là. Moi, je pas te mentir. Il a pris à lui. Je savais. Il a pris au moins 15 plaques à lui. J'ai ton visage, son visage. Vous deux, quand je regardais là. Ouais. Il savait que tu n'étais pas sincère. Mais c'est rien, non. Je l'appelle pour lui dire. Non, laisse tomber. Il est en train de faire un autre. Même ce qu'il a dit dessus là. Il va prendre encore à lui. Ok, donc. T'inquiète pas, allons. Alors l'envie de devenir propriétaire, investir dans l'immobilier, une solution s'offre à vous, C4 Gestion Solidaire, une association agréée qui vous suit étape par étape jusqu'à l'acquisition de votre bien. Alors C4 Gestion Solidaire, la meilleure solution pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier.